Salut à tous, c'est Baïsanka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour une nouvelle astuce qui va vous permettre de gagner pas mal d'RP et beaucoup d'argent assez facilement. Donc tout d'abord vous allez devoir vous retrouver en mode online comme moi dans la vidéo. Là vous appuyez sur la touche Start, en ligne, activité, héberger activité, créé par Rockstar, mission. Et là vous lancez la mission Explosion 2 qui est juste ici. Une mission qui est disponible à partir du niveau 20, donc pas mal de personnes pourront la faire. Là je vous ai fait quelques petites coupures pour pas que la vidéo soit trop longue. Dans l'accueil de la mission, n'oubliez pas d'inviter un pote à vous pour gagner beaucoup plus d'RP et beaucoup plus d'argent. Là ensuite regardez, on arrive dans la mission. Là pareil, petite astuce, quand vous arrivez dans la map, vous vous séparez. Donc regardez, moi je vais prendre mon véhicule et je vais me rendre au petit spot d'invincibilité pour la suite du glitch. Et mon pote qui est avec moi dans la vidéo, lui va aller chercher le véhicule. Donc c'est la mission où il faut aller au parking, détruire plusieurs véhicules et récupérer une Banshee. Donc regardez, lui il va aller récupérer la Banshee. Moi je vais aller au spot d'invincibilité pour pouvoir tuer un maximum de flics pendant cette activité. C'est ça qui va nous faire gagner beaucoup d'RP et beaucoup d'argent en fin de mission. Donc le petit spot d'invincibilité, regardez, est juste ici. Moi je vais au spot qui est à gauche, mon pote est parti derrière récupérer la Banshee. Et vous allez voir que le reste de la manip est vraiment très simple. Je vais vite en profiter pour vous inviter à venir nous rejoindre sur notre groupe Facebook. Si jamais vous avez des questions, des astuces, si jamais vous cherchez des gens pour faire cette manip ou alors des activités what the fuck, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien dans la description. Donc petite précision aussi, ou alors vous allez voir que c'est pas très gênant, ici il y a plein de 4x4. Pour pouvoir rentrer dans le spot d'invincibilité, il vous faudra un gros véhicule comme le 4x4 que je suis en train de voler dans la rue. La Jester que j'avais juste avant, c'est pas possible, elle est trop basse. Prenez un 4x4 et regardez, c'est juste ici. C'est vraiment très simple, on va traverser un mur histoire d'être invincible face aux flics et que ça soit vraiment pas chiant. Là regardez, je me gare. Ici j'ai vite appuyé sur la touche start, regardez, mon pote est en train de revenir avec la Banshee qui est juste ici. Donc la Banshee qui devait voler était sur le parking qui est juste ici. Là mon pote va me rejoindre, il va mettre le véhicule derrière nous. Il va le cacher pour que les explosions n'abîment et n'explosent pas le véhicule, sinon la mission sera finie. Là ensuite regardez, pour passer à travers le mur c'est très simple. Là vous montez sur le 4x4 ou alors le gros véhicule que vous avez placé comme moi dans la vidéo et vous traversez le plafond tout bêtement. Ensuite regardez, là mon pote vient d'arriver avec la Banshee jaune, il va aller la garer juste derrière. Et on va commencer à faire un gros massacre, tuer un maximum de flics pendant 10-15 minutes. Ensuite au bout de 10-15 minutes, quand vous avez tué un maximum de flics, donc pensez à acheter des munitions sinon ça sera un peu embêtant. Là regardez, vous vous suicidez sinon vous ne pourrez pas sortir de ce wall brèche. Ou alors en tout cas je ne sais pas par où. Si quelqu'un sait comment sortir autrement que en se suicidant, mettez-le en commentaire. Ça évitera qu'on se suicide pour rien. Ensuite ici regardez, je me suicide, je vais réapparaître un peu plus loin. Pareil, je vous ai fait une petite coupure pour pas que ça soit trop long. Ils m'ont fait réapparaître à l'autoroute qui est juste derrière. J'ai dû faire tout le tour, franchement c'était vraiment la misère. Donc là regardez, je retourne près de mon pote donc pour récupérer la Banshee. Je vais aller l'amener au lieu de rendez-vous donc qui est le garage du Séméon. Et là vous allez voir que je vais toucher énormément d'argent et beaucoup d'RP. Franchement c'était vraiment une bonne petite astuce pour ceux qui veulent de l'RP facilement. N'hésitez pas à faire cette méthode, franchement je vous la conseille. Comme vous pouvez le voir c'est assez rapide et c'est assez simple, il n'y a même pas besoin de bouger limite. Faut juste tuer des flics. Par exemple si vous faites cette mission à deux pour gagner autant d'argent que moi dans cette vidéo, ben on va dire que votre pote il va manger, vous tuez des flics, hop vous finissez la mission, vous relancez. Ensuite par exemple quand lui il revient, vous allez manger, lui il fait la mission et ainsi de suite. Et vous pourrez gagner vraiment un maximum d'argent et vraiment très facilement. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère vraiment que cette petite astuce vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vais vous laisser sur ces images, je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde. Motherfucking hashtag!